Bonjour, nouveau vlog. Je poursuis la dernière journée que vous avez vue dans le dernier vlog. Je vais à mon rendez-vous médical. Quand je vous dis que je ne sais pas m'habiller, aucune notion du temps. C'est-à-dire qu'il fait extrêmement chaud. Je suis partie comme ça. Je vous reprends donc le lendemain. Je me dépêche, je dois passer à la pharmacie parce qu'ils n'avaient pas hier le traitement. Et au retour, je vous explique tout ça. C'est pas très judicieux de ma part de mettre un haut noir comme ça. Je perds pas mal mes cheveux en ce moment. Oh, on n'est pas du tout sur le même délire qu'hier au niveau vestimentaire. Caille, c'est pas pour me déplaire, j'aime bien m'habiller plutôt automnale. Les lunettes de soleil, je fais une réaction au mascara, lift, je sais pas quoi. Une catastrophe, en plus il me pète les cils, il est ready, tu peux pas travailler tes cils. Donc ce matin, j'ai attendu, je me suis versé mon salaire du mois. Donc je vais m'acheter, il coûte 15 euros de plus, genre 30 et quelques. Mais au moins c'est une valeur sûre, je vais y aller tiens. Chercher mon traitement, c'est à côté. J'ai mon traitement et je me suis fait plaisir, c'est cool. Il faut, quand tu peux, te faire comme ça des petits plaisirs. Traitement que je vais prendre immédiatement. Une huile essentielle à base de menthe poivrée qui a de très très bons résultats. En termes notamment de ce que j'ai, hein, les spasmes, ce genre de choses. J'ai une migraine depuis ce matin. Ça faisait un moment hein, que j'en avais pas eu. Apparemment c'est fort. Hein. Au moins 2 heures, c'est bon ça, allez hop. Impeccable. Et donc, mes problèmes là que j'ai depuis 4-5 jours seraient très probablement liés, enfin tout est lié en fait, tout est lié entre ma carence en fer qui est plus que sévère et ma hernie. C'est du délire quand même, hein. Je ne savais pas, mais quand tu as une carence en fer comme moi j'ai sévère, donc avec pourlien, tu ne le fixes pas, et bah au bout d'un moment, ça te provoque des spasmes violents. Et évidemment, ça doit jouer le fait que j'ai fait pas mal d'excès, comme je vous expliquais pendant ces vacances. Quand sur comme ça, 2 mois, 2 mois et demi, tu fais pas gaffe, tu bois un peu plus, forcément, à un moment donné, il y a un côté inflammatoire qui va s'amorcer. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'hospitaliser pour faire ces fameuses perfusions. Je sais qu'il y a des personnes qui le font et qui ont même des taux beaucoup moins bas que moi, mais il m'a expliqué que moi, dans mon cas, vu que je ne le fixe pas et je ne le tolère pas, c'est un coup à ce que je fasse une très mauvaise réaction. C'est des gros dosages, donc on oublie. J'en profite, vous vous souvenez, je vous avais dit dans une vidéo, la prochaine fois que je vais voir mon médecin, je lui demanderai pour la fameuse sérotonine, les molécules, on va dire, du bien-être, du bonheur. Est-ce que ça se dose? Est-ce que ça vaut le coup? Et il m'a bien expliqué que non, le dosage de la sérotonine, pour voir si t'es carencé, enfin, il est parti dans des explications que je ne saurais pas vous retranscrire parce que je pense que je dirais des bêtises, mais il m'a tout expliqué, le fonctionnement, donc en fait, tout serait biaisé. Ça ne serait pas significatif. Et surtout, ça ne se fait pas dans un laboratoire classique. Je crois que c'est vraiment des choses très, très, très spécialisées. Donc voilà pour le petit dossier médical. Et pour le petit dossier plaisir, c'est pas une nouveauté, c'est le Lancôme, le Définicil. Et ça, c'est une valeur sûre. Il est génial. Il te fait de la longueur, il sépare bien. Donc tu peux le travailler. Parce que tout ce qui est un petit peu trop volume, à un moment donné, ça fait pâté. Donc celui-ci, donc c'est vraiment le très 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 classique. Je l'ai serré forcément demain matin. Et je me suis pris également une nouveauté, un anti-cerne. J'en avais plus. C'est Lancôme, toujours. Tidal Ultra Wear, donc c'est tout nouveau. À la base, ils l'ont décliné donc en correcteur parce que c'est un fond de teint. Il apporte aussi du glow, donc c'est bien, tu peux l'utiliser par petites touches aussi. Pareil, je l'utiliserai demain. Et j'ai eu 30% sur ça, donc ce qui n'est vraiment pas négligeable. C'est cool, je vous ai dit, hein, oui, ça a un coût, mais au moins, je vais pas être obligée de le... J'ai payé du coup 15 euros de plus, parce qu'il coûte une trentaine d'euros par rapport à celui que j'ai. Mais l'autre, je ne vais pas l'utiliser, je vais même le jeter, c'est pas possible. Ça m'a donné ce soin, apparemment il est super, le de chez Clarins. Le Cryo Flash Soin Tenseur Instantané. C'est un masque crème, tu le laisses poser 10 minutes, puis tu retires l'excédent. J'ai mal au crâne. Elle est juste là, la migraine. Je crois qu'elle était là ce matin, elle s'est baladée, la con. Oh, j'ai mal au crâne. Ah, ça fait du bien. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes explications médicales. C'était du délire en ville. Les gens portent des masques énormément. Énormément. Faut que vous deviniez ce qui m'est arrivé rien qu'en regardant ma tête. J'ai pas réussi. La migraine était tellement intense ce midi que je me suis allongée. Je fais jamais ça. Mais à un moment donné, de toute façon, je ne peux rien faire avec cet état. Résultat, migraine 1, carreau 0. Il est 16h30. C'est du délire, je n'ai même pas vu Eric repartir, il avait cours à 15h. Ah, je suis deg, j'avais plein de trucs à faire, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu
tu veux. Je vais me prendre une petite tisane. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On est sur du vlog, donc j'aurais pu couper cette partie, vous reprendre demain. Je sais que certains vont encore mettre, mais t'auras toujours des trucs. Pff, ouais, et... Je comprends. Eric est rentré du lycée, il m'a dit, allez, viens, je t'emmène. Prendre un petit goûter. Ouh. Ah, c'est vrai qu'il y a le petit pain ici que j'aime bien, la baguettine, là. Après toi oh, je vais pas me prendre un truc trop gras, moi. C'est vrai qu'elles ont l'air trop bonnes, par contre. Je crois que je vais m'en prendre une pour demain midi, moi. Leur pizza, j'ai déjà goûté une fois, elle est pas mauvaise. C'est pas mal. J'ai vu une salade pour demain midi qui me plaît trop. Allez, tu vas prendre là ? Ouais. Ouais, pépite de chocolat, ouais, pépite, ça, c'est plus joli. Très beau choix. Un mini cake. Est-ce qu'il faut le faire chauffer ? Enfin, non, ça se mange comme ça. Ça se mange comme ça ? Un petit cake au chocolat. On va prendre la nature. J'ai même pas vu ce que t'as pris. Un muffin au chocolat. Ah, valeur sûre. C'est calme, hein. Mais c'est le but. Quoi ? Oh, qui découvre le fondant. C'est pour moi. Salopard. Bon, c'était bien sympa, cette interlude dans la pampa. Ça, je sais pas si je me le fais ce soir ou demain midi. Je sais pas, on verra. Avec la petite diablotine. Je vous retrouve, c'est le lendemain, ma migraine s'est calmée, mais en fait elle était là jusqu'à ce matin, c'est même elle qui m'a réveillée à 6h30. Là, il est 11h20 et c'est bon, j'ai plus de douleur et je peux vous dire que ça fait du bien de plus avoir cette masse comme ça qui te compresse la tête, qui te donne envie de vomir, qui te fout des décharges. Ça m'avait pas manqué en fait, ça m'avait vraiment pas manqué. J'ai testé le mascara, bon c'est exactement ce que je recherche chez un mascara, c'est d'ailleurs ça le définitif. Ça vient allonger, ça fait du cils acide, tu peux repasser autant de fois que tu veux, ça fait pas de paquet. Bon là j'ai peut-être des petits yeux mais c'est le contre-coup, la fatigue de la migraine. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire le nom de celui qui moi me convient pas, c'est le L'Oréal Telescopic Lift. Dites-moi si vous connaissez, si ça vous a fait la même chose ou pas, si vous l'aimez. Pareil, l'anti-cerne, très bien, très très bien. J'ai vu un mec passer à l'instant. On voit pas bien parce qu'il y a des choses désombrées. Le corps, je suis sûre que c'est Eric. Il finissait à quelle heure ? Hé ! Tu vois, j'ai reconnu la silhouette de mon chéri. C'est fort, c'est très très fort. T'es passé par là ? Oui. Eh bien, sache que j'ai reconnu ta silhouette. Oui. C'est fort ou pas ? C'est bien, ouais, après 15 ans du commune. C'est bien. Non, mais on voit rien, on voit juste un ombré. Ça t'est pas ça. Toi, tu m'aurais reconnu ? Bon, bah écoute, tant mieux. Ouais, je disais, je suis un peu déçue, j'avais acheté ça pour, ouais, pour être confort, mais pour le mettre en extérieur, je peux pas. C'est très très moche, c'est informe. C'est tout droit, c'est pas ouf. C'est un survêtement, oui. C'est pas un survêtement, c'est comme une robe pull, mais vous savez, des fois, il y en a des biens. C'est une robe survêtement. Ouais, mais elle est pas, c'est pas beau. Ça, il pousse pas les formes, et même avec une ceinture, ça va pas. C'est pas ouf, on est d'accord. C'est un survêtement, oui. C'est pas un survêtement. Bon, sinon, voilà, ça va mieux. Cet après-midi, rebelote course. Pas un plein de fou, mais course, je sais pas comment je me démerde, je ne sais pas. Et j'ai plus les blandins, les machins, les petits fromages, les basiques, ça part extrêmement vite. Et j'aimerais aussi créer une petite vidéo, type réel, voilà, les shorts, un truc short, pour mettre sur Insta et un petit peu partout, peut-être même sur mon site, pour un petit peu faire la promo de la box, parce que toutes les box qui arrivent... J'insiste bien, notamment là, octobre, qui est encore en commande pendant... Nous sommes le 4, donc jusqu'au 10 inclus. Donc octobre, novembre, la box de décembre, donc de Noël. Comme il va y avoir des petites merveilles, j'aimerais faire un petit coup un peu impactant. Mais il faut que je trouve le bon format. Toi, tu vas être dans la vidéo promo ? Mais on va pas te mettre dans la box, toi. Je pense qu'il y en a qui seraient contents. Vous seriez content d'avoir le petit bandit ? Ou pas ? Est-ce que vous seriez content d'avoir le bandit voleur ? L'amoureux de sa mère serait triste. Serait triste sans sa petite maman, oui. Très triste. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce midi ? Ouais, alors ça va être, pour moi, Eric ne mange pas ça, il mange plus qu'on dit, moi ça va être ça. Voilà. Petit velouté de cresson, c'est parfait. Je vais faire ça avec, c'est bon, avec un peu de chavroux. C'est quoi déjà ? Les tartines craquantes, sarrasin. C'est pas mal. Ah, il n'y a pas trop de goût, mais ça va. Si tu mets quelque chose de sympa dessus, ça va.
Et ce soir, par contre, je vais faire les petites patates revenues avec des petits oignons et puis je verrai peut-être du poulet avec. Changement de programme. Il doit être 15h passées, un truc comme ça, ouais, 15h43. On se retrouve à faire un temps calme. Je pense que la migraine, elle m'a complètement décalquée. Je ne tiens pas debout, donc je ne me voyais pas dans un supermarché à pousser un caddie avec plein de monde. Non, c'est pas possible, donc c'est pas grave, hein. J'irai demain. Le tournage de la vidéo, pareil, je veux que ce soit bien fait, réfléchi. Je ne suis pas en état, donc on remet ça demain. Là, je viens de raccrocher avec la deuxième marque pour Noël, parce que je commence à lancer les prods. Tout est validé, enfin je reçois un prototype pour validation, mais ça va être trop mignon. Je vais me poser, je vais reprendre ma petite lecture. Je pense que je vais lire 2 pages et je vais partir pendant une demi-heure. Et après, je vais... J'ai conscience que c'est un privilège de pouvoir faire une pause comme ça dans ton taf, de bosser de chez soi, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres inconvénients d'être son propre patron. Je vais après tout ranger, je vais me lancer dans un truc, attention, il faut de l'énergie, j'en ai pas forcément, mais je ne peux plus me voir, il y a des fringues partout. Je vous avais dit qu'il fallait que je fasse un tri, mais là c'est du sérieux, il faut que je fasse vraiment un vrai tri. Je garde, je vends, je garde, je vends, je jette. C'est ceux d'Eric aussi, Eric, il y a des fringues, très honnêtement, en 15 ans, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je ne l'ai jamais vu les porter. Donc il va falloir que je joue avec lui et on va tout. Et il va falloir que ça change tout ça, c'est pas possible. Il y a des portants partout, il y a des trucs partout, il y a des... Non. Oh, ça aurait été quand même un vlog assez compliqué avec un fil conducteur. Quand même, on retrouve cette cohérence. Voilà. Il n'y a pas une super évolution. J'espère que demain ça va aller mieux. Je vais retrouver la... Je suis pas malade en soi, hein. Pas malade du tout. J'ai plus mal à la tête, mais je n'ai plus d'énergie. Quand t'as plus d'énergie, c'est pas évident. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Tant pis, il n'aura pas été bien long. Mais au moins, je vous aurai publié. Je vais vous publier donc vendredi prochain une nouvelle vidéo. Dimanche, pareil. Et ainsi de suite.